Je suis jalouse du journal, dit-elle, en essuyant les larmes que son rire d'enfant avait fait couler. N'est-ce pas une félonie, reprit-elle, devenant femme tout à coup, que de lire des proclamations russes en ma présence et de préférer la prose de l'empereur Nicolas à des paroles, à des regards d'amour. Je ne lisais pas, mon ange aimé, je te regardais. En ce moment, le pas lourd du jardinier, dont les souliers ferrés faisaient crier le sable des allées, retentit près de la serre. « Excusez, monsieur le marquis, si je vous interromps ainsi que madame, mais je vous apporte une curiosité comme je n'en avais jamais vue. En tirant tout à l'heure, sous votre respect, un seau d'eau, j'ai amené cette singulière plante marine. La voilà. Faut tout de même que ce soit bien accoutumé à l'eau, car ce n'était point mouillé ni humide, c'était sec comme du bois et point gras du tout. Comme monsieur le marquis est plus savant que moi, certainement, j'ai pensé qu'il fallait lui apporter et que ça l'intéresserait. » Et le jardinier montrait à Raphaël l'inexorable peau de chagrin qui n'avait pas 6 pouces carrés de superficie. « Merci, Vanière, » dit Raphaël. « Cette chose est très curieuse. »« Qu'as-tu, mon ange ? Tu pâlis ?» s'écria Pauline. « Laissez-nous, Vanière. » Ta voix m'effraie, reprit la jeune fille. Elle est singulièrement altérée. Qu'as-tu? Que te sens-tu? Où as-tu mal? Tu as mal? Un médecin! Cria-t-elle. Jonathan, au secours! Ma Pauline, tais-toi, répondit Raphaël, qui recouvra son sang-froid. Sortons. Il y a près de moi une fleur dont le parfum m'incommode. Peut-être est-ce cette verveine? Pauline s'élança sur l'innocent arbuste, le saisit par la tige et le jeta dans le jardin. « Oh, ange !» s'écria-t-elle, en serrant Raphaël par une étreinte aussi forte que leur amour et en lui apportant avec une langoureuse coquetterie ses lèvres vermeilles à baiser. « En te voyant pâlir, j'ai compris que je ne te survivrai pas. Ta vie est ma vie. Mon Raphaël, passe-moi ta main sur le dos. J'y sens encore la petite mort. J'y ai froid. Tes lèvres sont brûlantes. Et ta main? Elle est glacée, ajouta-t-elle. Folle! S'écria Raphaël. Pourquoi cette larme? Dit-elle. Laisse-la moi boire. Oh, Pauline, Pauline, tu m'aimes trop. Il se passe en toi quelque chose d'extraordinaire, Raphaël. Sois vrai, je saurai bientôt ton secret. Donne-moi cela, dit-elle, en prenant la peau de chagrin. Tu es mon bourreau! Cria le jeune homme, en jetant un regard d'horreur sur le talisman. « Quel changement de voix !» répondit Pauline, qui laissa tomber le fatal symbole du destin. « M'aimes-tu » reprit-il. « Si je t'aime, est-ce une question ? Eh bien, laisse-moi, va-t'en » La pauvre petite sortit. « Quoi ? » s'écria Raphaël quand il fut seul. « Dans un siècle de lumière où nous avons appris que les diamants sont les cristaux du carbone, à une époque où tout s'explique, où la police traduirait un nouveau messie devant les tribunaux et soumettrait ses miracles à l'Académie des sciences, dans un temps où nous ne croyons plus qu'aux paraves des notaires, je croirais, moi, à une espèce de Manet, Tekel, Farès. Non, de par Dieu, je ne penserais pas que l'être suprême puisse trouver du plaisir à tourmenter une honnête créature. Allons voir les savants. » Il arriva bientôt, entre la halle au vin, immense recueil de tonneaux, et la salpêtrière, immense séminaire d'ivrognerie, devant une petite mare où s'ébaudissaient des canards remarquables par la rareté des espèces et dont les ondoyantes couleurs, semblables aux vitraux d'une cathédrale, pétillaient sous les rayons du soleil. Tous les canards du monde étaient là, criant, barbotant, grouillant et formant une espèce de chambre canarde rassemblée contre son gré. Mais heureusement, sans charte ni principe politique, et vivant sans rencontrer de chasseurs sous l'œil des naturalistes qui les regardaient par hasard. « Voilà Monsieur Lavrille, » dit un porte-clés à Raphaël, qui avait demandé ce grand pontife de la zoologie. Le marquis vit un petit homme profondément enfoncé dans quelques sages méditations à l'aspect de 2 canards. Ce savant, entre 2 âges, avait une physionomie douce, encore adoucie par un air obligeant. Mais il régnait dans toute sa personne une préoccupation scientifique. Sa perruque, incessamment grattée et fantasquement retroussée,
laissait voir une ligne de cheveux blancs et accusait la fureur des découvertes qui, semblable à toutes les passions, nous arrache si puissamment aux choses de ce monde que nous perdons la conscience du moi. Raphaël, homme de science et d'études, admira ce naturaliste dont les veilles étaient consacrées à l'agrandissement des connaissances humaines, dont les erreurs servaient encore la gloire de la France. Mais une petite maîtresse aurait ri sans doute de la solution de continuité qui se trouvait entre la culotte et le gilet rayé du savant, interstice d'ailleurs chastement rempli par une chemise qu'il avait copieusement froncée en se baissant et se levant tour à tour au gré de ses observations zoogénésiques. Après quelques premières phrases de politesse, Raphaël crut nécessaire d'adresser à Monsieur Lavrille un compliment banal sur ses canards. « Oh, nous sommes riches en canards !» répondit le naturaliste. « Ce genre est d'ailleurs, comme vous le savez sans doute, le plus fécond de l'ordre des palmipèdes. Il commence au cygne et finit au canard zinzin, en comprenant 137 variétés d'individus bien distincts, ayant leur nom, leurs mœurs, leur patrie, leur physionomie, et qui ne se ressemblent pas plus entre eux qu'un blanc ne ressemble à un nègre. En vérité, monsieur, quand nous mangeons un canard, la plupart du temps, nous ne nous doutons guère de l'étendue. » Il s'interrompit à l'aspect d'un joli petit canard qui remontait le talus de la mare. « Vous voyez, là, le cygne à cravate, pauvre enfant du Canada, venu de bien loin pour nous montrer son plumage brun et gris, sa petite cravate noire. Tenez, il se gratte. Voici la fameuse oie à duvet, ou canard eider, sous l'édredon de laquelle dorment nos petites maîtresses. Est-elle jolie ? Qui n'admirerait ce petit ventre d'un blanc rougeâtre, ce bec vert ? Je viens, monsieur, reprit-il, d'être témoin d'un accouplement dont j'avais jusqu'alors désespéré. Le mariage s'est fait assez heureusement et j'en attendrai fort impatiemment le résultat. Je me flatte d'obtenir une 138e espèce, à laquelle peut-être mon nom sera donné. Voici les nouveaux époux, dit-il, en montrant deux canards. C'est d'une part une oie rieuse, Anas albifrons, et de l'autre, le grand canard siffleur, Anas rufina de Buffon. J'avais longtemps hésité entre le canard siffleur, le canard à sourcils blancs, et le canard souché, Anas clipeata. Tenez, voilà le souché, ce gros scélérat brun noir, dont le col est verdâtre et si coquettement irisé. Mais monsieur, le canard siffleur était huppé. Vous comprenez alors que je n'ai plus balancé. Il ne nous manque ici que le canard varié à calotte noire. Ces messieurs prétendent unanimement que ce canard fait double emploi avec le canard sarcelle à bec recourbé. Quant à moi, il fit un geste admirable qui peignit à la fois la modestie et l'orgueil des savants. Orgueil plein d'entêtement, modestie pleine de suffisance. « Je ne le pense pas, » ajouta-t-il. « Vous voyez, mon cher monsieur, que nous ne nous amusons pas ici. » Je m'occupe en ce moment de la monographie du genre canard, mais je suis à vos ordres. » En se dirigeant vers une assez jolie maison de la rue de Buffon, Raphaël soumit la peau de chagrin aux investigations de Monsieur Lavrille. « Je connais ce produit, » répondit le savant, après avoir braqué sa loupe sur le talisman. « Il a servi à quelques dessus de boîte. Le chagrin est fort ancien. Aujourd'hui, les guéniers préfèrent se servir de galucha. Le galucha est comme, vous le savez sans doute, la dépouille du Raja Sefen, un poisson de la mer Rouge. Mais ceci, monsieur, puisque vous avez l'extrême bonté, ceci, reprit le savant en interrompant, est autre chose. Entre le galucha et le chagrin, il y a, monsieur, toute la différence de l'océan à la terre, du poisson à un quadrupède. Cependant, la peau du poisson est plus dure que la peau de l'animal terrestre. Ceci, dit-il, en montrant le talisman, est, comme vous le savez sans doute, un des produits les plus curieux de la zoologie. « Voyons !» s'écria Raphaël. « Monsieur, » répondit le savant en s'enfonçant dans son fauteuil, « ceci est une peau d'âne. »« Je le sais, » dit le jeune homme. « Il existe en Perse, » reprit le naturaliste, « un âne extrêmement rare, l'onagre des anciens, Equus asinus, le coulon des Tartares. Pallas a été l'observer et l'a rendu à la science. En effet, cet animal avait longtemps passé pour fantastique. Il est, comme vous le savez, célèbre dans l'écriture sainte. Moïse avait défendu de l'accoupler avec ses congénères. Mais l'onagre est encore plus fameux
par les prostitutions dont il a été l'objet et dont parlent souvent les prophètes bibliques. Pallas, comme vous le savez sans doute, déclare dans ses Actes Pétrope, tome 2, que ces excès bizarres sont encore religieusement accrédités chez les Persans et les Nogaïs comme un remède souverain contre les maux des reins, les maux de reins et la goutte sciatique. Nous ne nous doutons guère de cela, nous autres pauvres Parisiens. Le muséum ne possède pas d'onagre. Quel superbe animal, reprit le savant. Il est plein de mystères. Son œil est muni d'une espèce de tapis réflecteur auquel les Orientaux attribuent le pouvoir de la fascination. Sa robe est plus élégante et plus polie que ne l'est celle de nos plus beaux chevaux. Elle est sillonnée de bandes plus ou moins fauves et ressemble beaucoup à la peau du zèbre. Son lainage est quelque chose de moelleux, d'ondoyant, de gras au toucher. Sa vue égale en justesse et en précision la vue de l'homme. Un peu plus grand que nos plus beaux ânes domestiques, il est doué d'un courage extraordinaire. Si par hasard il est surpris, il se défend avec une supériorité remarquable contre les bêtes les plus féroces. Quant à la rapidité de sa marche, elle ne peut se comparer qu'au vol des oiseaux. Un onagre, monsieur, tuerait à la course les meilleurs chevaux arabes ou persans. D'après le père du consciencieux docteur Niebuhr, dont, comme vous le savez sans doute, nous déplorons la perte récente, le terme moyen du pas ordinaire de ces admirables créatures est de 7000 pas géométriques par heure. Nos ânes dégénérés ne sauraient donner une idée de cet âne indépendant et fier. Il a le port leste, animé, l'air spirituel, fin, une physionomie gracieuse, des mouvements pleins de coquetterie. C'est le roi zoologique de l'Orient. Les superstitions turques et persanes lui donnent même une mystérieuse origine. Et le nom de Salomon se mêle au récit que les conteurs du Tibet et de la Tartarie font sur les prouesses attribuées à ces nobles animaux. Enfin, un onagre apprivoisé vaut des sommes immenses. Il est presque impossible de le saisir dans les montagnes, où il bondit comme un chevreuil et semble voler comme un oiseau. La fable des chevaux ailés, dont notre Pégase, a sans doute pris naissance dans ces pays, où les bergers ont pu voir souvent un onagre sautant d'un rocher à un autre. Les ânes de sel, obtenus en Perse par l'accouplement d'une ânesse avec un onagre apprivoisé, sont peints en rouge, suivant une immémoriale tradition. Cet usage a donné lieu peut-être à notre proverbe « méchant comme un âne rouge ». À une époque où l'histoire naturelle était très négligée en France, un voyageur aura, je pense, amené un de ces animaux curieux qui supportent fort impatiemment l'esclavage. De là le dicton. La peau que vous me présentez, reprit le savant, est la peau d'un onagre. Nous varions sur l'origine du nom. Les uns prétendent que Chagri est un mot turc, d'autres veulent que Chagri soit la ville où cette dépouille zoologique subit une préparation chimique assez bien décrite par Pallas et qui lui donne le grain particulier que nous admirons. Monsieur Martellins m'a écrit que Chagri est un ruisseau. Monsieur, je vous remercie de m'avoir donné des renseignements qui fourniraient une admirable note à quelques dons calmés, si les bénédictins existaient encore. Mais j'ai eu l'honneur de vous faire observer que ce fragment était primitivement d'un volume égal à cette carte géographique, dit Raphaël, en montrant à la vrille un atlas ouvert. Or, depuis 3 mois, elle s'est sensiblement contractée. Bien, reprit le savant, je comprends. Monsieur, toutes les dépouilles d'êtres primitivement organisés sont sujettes à un dépérissement naturel, facile à concevoir, dont les progrès sont soumis aux influences atmosphériques. Les métaux eux-mêmes se dilatent ou se resserrent d'une manière sensible, car les ingénieurs ont observé des espaces assez considérables entre de grandes pierres primitivement maintenues par des barres de fer. La science est vaste, la vie humaine est bien courte. Aussi n'avons-nous pas la prétention de connaître tous les phénomènes de la nature. Monsieur, reprit Raphaël, presque confus, excusez la demande que je vais vous faire. Êtes-vous bien sûr que cette peau soit soumise aux lois ordinaires de la zoologie, qu'elle puisse s'étendre? Ah, certes. Ah, peste, dit Monsieur Lavrille, en essayant de tirer le talisman. Mais monsieur, reprit-il, si vous voulez aller voir Planchette, le célèbre professeur de mécanique, il trouvera certainement un moyen d'agir sur cette peau, de la mollir, de la distendre. Oh, monsieur, vous me sauvez la vie! Raphaël salua le savant naturaliste
et courut chez Planchette, en laissant le bon Lavrille au milieu de son cabinet rempli de bocaux et de plantes séchées. Il remportait de cette visite, sans le savoir, toute la science humaine, une nomenclature. Ce bonhomme ressemblait à Sancho Panza, racontant à Don Quichotte l'histoire des chèvres. Il s'amusait à compter les animaux et à les numéroter. Arrivé sur le bord de la tombe, il connaissait à peine une petite fraction des incommensurables nombres du grand troupeau jeté par Dieu à travers l'océan des mondes, dans un but ignoré. Raphaël était content. « Je vais tenir mon âne en bride !» s'écriait-il. Stern avait dit avant lui. « Ménageons notre âne, si nous voulons vivre vieux. »« Mais la bête est si fantasque !» Planchette était un grand homme sec, véritable poète perdu dans une perpétuelle contemplation, occupé à regarder toujours un abîme sans fond, le mouvement. Le vulgaire taxe de folie ces esprits sublimes, gens incompris qui vivent dans une admirable insouciance du luxe et du monde, restant des journées entières à fumer un cigare éteint, ou venant dans un salon sans avoir toujours, bien exactement, marié les boutons de leurs vêtements avec les boutonnières. Un jour, après avoir longtemps mesuré le vide, ou entassé des X sous des AA-GG, ils ont analysé quelques noix naturelles et décomposé le plus simple des principes. Tout à coup, la foule admire une nouvelle machine ou quelques haquets dont la facile structure nous étonne et nous confond. Le savant modeste sourit en disant à ses admirateurs « Qu'ai-je donc créé ?»« Rien. L'homme n'invente pas une force, il la dirige. Et la science consiste à imiter la nature. » Raphaël surprit le mécanicien planté sur ses deux jambes, comme un pendu tombé droit sous une potence. Planchette examinait une bille d'agate qui roulait sur un cadran solaire, en attendant qu'elle s'y arrêtât. Le pauvre homme n'était ni décoré, ni pensionné, car il ne savait pas enluminer ses calculs. Heureux de vivre à l'affût d'une découverte, il ne pensait ni à la gloire, ni au monde, ni à lui-même, et vivait dans la science, pour la science. « Cela est indéfinissable !» s'écria-t-il. « Ah, monsieur !» reprit-il en apercevant Raphaël. « Je suis votre serviteur. Comment va la maman? Allez voir ma femme !»« J'aurais cependant pu vivre ainsi !» pensa Raphaël, qui tira le savant de sa rêverie en lui demandant le moyen d'agir sur le talisman qu'il lui présenta. « Dussiez-vous rire de ma crédulité, monsieur ?» dit le marquis en terminant. « Je ne vous cacherai rien. Cette peau me semble posséder une force de résistance contre laquelle rien ne peut prévaloir. Monsieur, les gens du monde traitent toujours la science assez cavalièrement. Tous nous disent à peu près ce qu'un incroyable disait à Lalande en lui amenant des dames après l'éclipse. Ayez la bonté de recommencer. Quel effet voulez-vous produire? La mécanique a pour but d'appliquer les lois du mouvement ou de les neutraliser. Quant au mouvement en lui-même, je vous le déclare avec humilité, nous sommes impuissants à le définir. Cela posé, nous avons remarqué quelques phénomènes constants qui régissent l'action des solides et des fluides. En reproduisant les causes génératrices de ces phénomènes, nous pouvons transporter les corps, leur transmettre une force locomotive dans des rapports de vitesse déterminés, les lancer, les diviser simplement ou à l'infini, soit que nous les cassions ou les pulvérisions, puis les tordre, leur imprimer une rotation, les modifier, les comprimer, les dilater, les étendre. Cette science, monsieur, repose sur un seul fait. « Vous voyez cette bille ? » reprit-il. « Elle est ici, sur cette pierre. La voici maintenant, là. De quel nom appellerons-nous cet acte, si physiquement naturel et si moralement extraordinaire ? Mouvement ? Locomotion ? Changement de lieu ? Quelle immense vanité cachée sous les mots. Un nom, est-ce donc une solution? Voilà pourtant toute la science. Nos machines emploient ou décomposent cet acte, ce fait. Ce léger phénomène adapté à des masses va faire sauter Paris. Nous pouvons augmenter la vitesse aux dépens de la force, et la force aux dépens de la vitesse. Qu'est-ce que la force et la vitesse? Notre science est inhabile à le dire, comme elle l'est à créer un mouvement. Un mouvement, quel qu'il soit, est un immense pouvoir, et l'homme n'invente pas de pouvoir. Le pouvoir est un, comme le mouvement.
l'essence même du pouvoir. Tout est mouvement. La pensée est un mouvement. La nature est établie sur le mouvement. La mort est un mouvement dont les fins nous sont peu connues. Si Dieu est éternel, croyez qu'il est toujours en mouvement. Dieu est le mouvement, peut-être. Voilà pourquoi le mouvement est inexplicable comme lui profond, sans borne, incompréhensible, intangible. Qui jamais a touché, compris, mesuré le mouvement? Nous en sentons les effets sans les voir. Nous pouvons même le nier comme nous nions Dieu. Où est-il? Où n'est-il pas? D'où part-il? Où en est le principe? Où en est la fin? Il nous enveloppe, nous presse et nous échappe. Il est évident comme un fait, obscur comme une abstraction, tout à la fois effet et cause. Il lui faut, comme à nous, l'espace. Et qu'est-ce que l'espace? Le mouvement seul nous le révèle. Sans le mouvement, il n'est plus qu'un mot vide de sens. Problème insoluble, semblable au vide. Semblable à la création, à l'infini. Le mouvement confond la pensée humaine et tout ce qu'il est permis à l'homme de concevoir, c'est qu'il ne le concevra jamais. Entre chacun des points successivement occupés par cette bille dans l'espace, reprit le savant, il se rencontre un abîme pour la raison humaine, un abîme où est tombé Pascal. Pour agir sur la substance inconnue, que vous voulez soumettre à une force inconnue, nous devons d'abord étudier cette substance d'après sa nature, où elle se brisera sous un choc, où elle y résistera. Si elle se divise, et que votre intention ne soit pas de la partager, nous n'atteindrons pas le but proposé. Voulez-vous la comprimer? Il faut transmettre un mouvement égal à toutes les parties de la substance, de manière à diminuer uniformément l'intervalle qui les sépare. Désirez-vous l'étendre? Nous devrons tâcher d'imprimer à chaque molécule une force excentrique égale. Sans l'observation exacte de cette loi, nous y produirons des solutions de continuité. Il existe, monsieur, des modes infinis, des combinaisons sans bornes dans le mouvement. À quel effet vous arrêtez-vous? Monsieur, dit Raphaël impatienté, je désire une pression quelconque, assez forte, pour étendre indéfiniment cette peau. La substance étant finie, répondit le mathématicien, ne saurait être indéfiniment distendue. Mais la compression multipliera nécessairement l'étendue de sa surface, aux dépens de l'épaisseur. Elle amincira jusqu'à ce que la matière manque. Obtenez ce résultat, monsieur, s'écria Raphaël, et vous aurez gagné des millions. Je vous volerai votre argent, répondit le professeur, avec le flegme d'un Hollandais. Je vais vous démontrer en deux mots l'existence d'une machine sous laquelle Dieu lui-même serait écrasé comme une mouche. Elle réduirait un homme à l'état de papier brouillard, un homme botté, éperonné, cravaté, chapeau, or, bijoux, tout. Quelle horrible machine! Au lieu de jeter leurs enfants à l'eau, les Chinois devraient les utiliser ainsi, reprit le savant, sans penser au respect de l'homme pour sa progéniture. Tout entier à son idée, Planchette prit un pot de fleurs vides, troué dans le fond, et la porta sur la dalle du gnomon. Puis il alla chercher un peu de terre glaise dans un coin du jardin. Raphaël resta charmé comme un enfant auquel sa nourrice conte une histoire merveilleuse. Après avoir posé sa terre glaise sur la dalle, Planchette tira de sa poche une serpette, coupa deux branches de sureau et se mit à les vider en sifflant, comme si Raphaël n'eût pas été là. « Voilà les éléments de la machine, » dit-il. Il attacha par un coup d'enterre glaise l'un de ses tuyaux de bois au fond du pot, de manière à ce que le trou du sureau correspondît à celui du vase. Vous eussiez dit une énorme pipe. Il étala sur la dalle un lit de glaise en lui donnant la forme d'une pelle, assit le pot de fleurs dans la partie la plus large et fixa la branche de sureau sur la portion qui représentait le manche. Enfin, il mit un pâté de terre glaise à l'extrémité du tube en sureau. Il y planta l'autre branche creuse toute droite en pratiquant un autre coude pour la joindre à la branche horizontale, en sorte que l'air, ou tel fluide ambiant donné, pût circuler dans cette machine improvisée et courir depuis l'embouchure du tube vertical à travers le canal intermédiaire jusque dans le grand pot de fleurs vide. Monsieur, cet appareil, dit-il à Raphaël, avec le sérieux d'un académicien prononçant son discours de réception.
est un des plus beaux titres du grand Pascal à notre admiration. Je ne comprends pas. Le savant sourit. Il alla détacher d'un arbre fruitier une petite bouteille dans laquelle son pharmacien lui avait envoyé une liqueur où se prenaient les fourmis. Il en cassa le fond, se fit un entonnoir, l'adapta soigneusement au trou de la branche creuse qu'il avait fixée verticalement dans l'argile, en opposition au grand réservoir figuré par le pot de fleurs. Puis, au moyen d'un arrosoir, il y versa la quantité d'eau nécessaire pour qu'elle se trouvât également bord à bord, et dans le grand vase et dans la petite embouchure circulaire du sureau. Raphaël pensait à sa peau de chagrin. Monsieur, dit le mécanicien, l'eau passe encore aujourd'hui pour un corps incompressible. N'oubliez pas ce principe fondamental. Néanmoins, elle se comprime, mais si légèrement que nous devons compter sa faculté contractile comme zéro. Vous voyez la surface que présente l'eau arrivée à la superficie du pot de fleurs ? Oui, monsieur. Eh bien, supposez cette surface mille fois plus étendue que ne l'est l'orifice du bâton de sureau par lequel j'ai versé le liquide. Tenez, j'ôte l'entonnoir. D'accord ? Eh bien, monsieur, si par un moyen quelconque j'augmente le volume de cette masse en introduisant encore de l'eau par l'orifice du petit tuyau, le fluide contraint d'y descendre montera dans le réservoir figuré par le pot de fleurs jusqu'à ce que le liquide arrive à un même niveau dans l'un et dans l'autre. Cela est évident, s'écria Raphaël. Mais il y a cette différence, reprit le savant, que si la mince colonne d'eau ajoutée dans le petit tube vertical y présente une force égale au poids d'une livre, par exemple, comme son action se transmettra fidèlement à la masse liquide et viendra réagir sur tous les points de la surface qu'elle présente dans le pot de fleurs, il s'y trouvera 1000 colonnes d'eau qui, tendant toutes à s'élever comme si elles étaient poussées par une force égale à celle qui fait descendre le liquide dans le bâton de sureau vertical, produiront nécessairement ici, dit Planchette en montrant à Raphaël l'ouverture du pot de fleurs, une puissance 1000 fois plus considérable que la puissance introduite là. Et le savant indiquait du doigt, au marquis, le tuyau de bois planté droit dans la glaise. « Cela est tout simple, » dit Raphaël. Planchette sourit. « En d'autres termes, » reprit-il, avec cette ténacité de logique naturelle aux mathématiciens, « il faudrait, pour repousser l'irruption de l'eau, déployer sur chaque partie de la grande surface une force égale à la force agissant dans le conduit vertical. Mais, à cette différence près, que si la colonne liquide y est haute d'un pied, les 1000 petites colonnes de la grande surface n'y auront qu'une très faible élévation. Maintenant, dit Planchette, en donnant une chiquenaude à ses bâtons, remplaçons ce petit appareil grotesque par des tubes métalliques d'une force et d'une dimension convenables. Si vous couvrez d'une forte platine mobile la surface fluide du grand réservoir et que cette platine vous en opposiez une autre dont la résistance et la solidité soient à toute épreuve, si de plus vous m'accordez la puissance d'ajouter sans cesse de l'eau par le petit tube vertical à la masse liquide, l'objet, pris entre les deux plans solides, doit nécessairement céder à l'immense action qui le comprime indéfiniment. Le moyen d'introduire constamment de l'eau par le petit tube est une niaiserie en mécanique, ainsi que le mode de transmettre la puissance de la masse liquide à une platine. Deux pistons et quelques soupapes suffisent. Concevez-vous alors, mon cher monsieur, dit-il en prenant le bras de Valentin, qu'il n'existe guère de substance qui, mise entre ces deux résistances indéfinies, ne soit contrainte à s'étaler. Quoi ? L'auteur des lettres provinciales a inventé ? S'écria Raphaël. Lui seul, monsieur. La mécanique ne connaît rien de plus simple ni de plus beau. Le principe contraire, l'expansibilité de l'eau, a créé la machine à vapeur. Mais l'eau n'est expansible qu'à un certain degré, tandis que son incompressibilité, étant une force en quelque sorte négative, se trouve nécessairement infinie. Si cette peau s'étend, dit Raphaël, je vous promets d'élever une statue colossale à Blaise Pascal, de fonder un prix de 100 000 francs pour le plus beau problème de mécanique résolu dans chaque période de 10 ans, de doter vos cousines, arrière-cousines enfin, de bâtir un hôpital destiné aux mathématiciens devenus fous ou pauvres. Cela serait fort utile, dit Planchette. Monsieur,
reprit-il, avec le calme d'un homme vivant dans une sphère tout intellectuelle. Nous irons demain chez Spiegelhalter. Ce mécanicien distingué vient de fabriquer, d'après mes plans, une machine perfectionnée avec laquelle un enfant pourrait faire tenir 1000 bottes de foin dans son chapeau. À demain, monsieur. À demain. Parlez-moi de la mécanique, s'écria Raphaël. N'est-ce pas la plus belle de toutes les sciences? L'autre avec ses onagres, ses classements, ses canards, ses gens et ses bocaux pleins de monstres est tout au plus bon à marquer les points dans un billard public. Le lendemain, Raphaël, tout joyeux, vint chercher Planchette et ils allèrent ensemble dans la rue de la Santé, nom de favorable augure. Chez Spiegelhalter, le jeune homme se trouva dans un établissement immense. Ses regards tombèrent sur une multitude de forges rouges et rugissantes. C'était une pluie de feu, un déluge de clous, un océan de pistons, de vis, de leviers, de traverses, de limes, d'écrous, une mer de fontes, de bois, de soupapes et d'aciers en barre. La limaille prenait à la gorge. Il y avait du fer dans la température, les hommes étaient couverts de fer, tout puait le fer avait une vie, il était organisé, il se fluidifiait, marchait, pensait, en prenant toutes les formes, en obéissant à tous les caprices. À travers les hurlements des soufflets, les crescendos des marteaux, les sifflements des tours qui faisaient grogner le fer, Raphaël arriva dans une grande pièce, propre et bien aérée, où il put contempler à son aise la presse immense dont Planchette lui avait parlé. Il admira des espèces de madriers en fonte et des jumelles en fer unies par un indestructible noyau. « Si vous tourniez 7 fois cette manivelle avec promptitude, » lui dit Spiegelhalter en lui montrant un balancier de fer poli, « vous feriez jaillir une planche d'acier en des milliers de jets qui vous entreraient dans les jambes comme des aiguilles. »« Peste !» s'écria Raphaël. Planchette glissa lui-même la peau de chagrin entre les deux platines de la presse souveraine et, plein de cette sécurité que donnent les convictions scientifiques, il manœuvra vivement le balancier. « Couchez-vous tous, nous sommes morts !» cria Spiegelhalter d'une voix tonnante en se laissant tomber lui-même à terre. Un sifflement horrible retentit dans les ateliers. L'eau contenue dans la machine brisa la fonte, produisit un jet d'une puissance incommensurable et se dirigea heureusement sur une vieille forge qu'elle renversa, bouleversa, tordit, comme une trombe entortille une maison et l'emporte avec elle. « Oh !» dit tranquillement Planchette. « Le chagrin est sain comme mon œil. Maître Spiegelhalter, il y avait une paille dans votre fonte ou quelque interstice dans le grand tube. »« Non, non, je connais ma fonte. Monsieur peut remporter son outil. Le diable est logé dedans. » L'Allemand saisit un marteau de forgeron, jeta la peau sur une enclume et de toute la force que donne la colère, déchargea sur le talisman le plus terrible coup qui jamais eût mugi dans ses ateliers. « Il n'y paraît seulement pas ?» s'écria Planchette en caressant le chagrin rebelle. Les ouvriers accoururent, le contremaître prit la peau et la plongea dans le charbon de terre d'une forge. Tous rangés en demi-cercle autour du feu, attendirent avec impatience le jeu d'un énorme soufflet. Raphaël, Spiegelhalter, le professeur Planchette occupaient le centre de cette foule noire et attentive. En voyant tous ces yeux blancs, ses têtes poudrées de fer, ses vêtements noirs et luisants, ses poitrines poilues, Raphaël se crut transporté dans le monde nocturne et fantastique des ballades allemandes. Le contremaître saisit la peau avec des pinces, après l'avoir laissée dans le foyer pendant 10 minutes. « Rendez-la-moi, » dit Raphaël. Le contremaître la présenta par plaisanterie à Raphaël. Le marquis mania facilement la peau froide et souple sous ses doigts. Un cri d'horreur s'éleva. Les ouvriers s'enfuirent. Valentin resta seul avec Planchette dans l'atelier désert. « Il y a décidément quelque chose de diabolique là-dedans !» s'écria Raphaël au désespoir. « Aucune puissance humaine ne saurait donc me donner un jour de plus !»« Monsieur, j'ai tort !» répondit le mathématicien d'un air contrit. « Nous devions soumettre cette peau singulière à l'action d'un laminoir. Où avais-je les yeux en vous proposant une pression ?» « C'est moi qui l'ai demandé, » répliqua Raphaël. Le savant respira comme un coupable, acquitté par 12 jurés. Cependant,
Intéressé par le problème étrange que lui offrait cette peau, il réfléchit un moment et dit « Il faut traiter cette substance inconnue par des réactifs. Allons voir Jaffé. La chimie sera peut-être plus heureuse que la mécanique. » Valentin mit son cheval au grand trot dans l'espoir de rencontrer le fameux chimiste Jaffé à son laboratoire. « Eh bien, mon vieil ami, » dit Planchette en apercevant Jaffé assis dans un fauteuil et contemplant un précipité. « Comment va la chimie ?»« Elle s'endort, rien de neuf. L'Académie a cependant reconnu l'existence de la salicine. Mais la salicine, l'asparagine, la vaucheline, la digitaline ne sont pas des découvertes. » « Faute de pouvoir inventer des choses, » dit Raphaël, « il paraît que vous en êtes réduit à inventer des noms. » « Cela est par Dieu vrai, jeune homme. »« Tiens, » dit le professeur Planchette au chimiste, « essaie de nous décomposer cette substance. Si tu en extrais un principe quelconque, je le nomme d'avance la diaboline, car en voulant la comprimer, nous venons de briser une presse hydraulique. »« Voyons, voyons cela !» s'écria joyeusement le chimiste. « Ce sera peut-être un nouveau corps simple. »« Monsieur, » dit Raphaël, « c'est tout simplement un morceau de peau d'âne. » « Monsieur ?» reprit gravement le célèbre chimiste. « Je ne plaisante pas, » répliqua le marquis en lui présentant la peau de chagrin. Le baron Jaffé appliqua sur la peau les houppes nerveuses de sa langue, si habile à déguster les sels, les acides, les alcalis, les gaz, et dit, après quelques essais, « Point de goût. Voyons, nous allons lui faire boire un peu d'acide phtorique. » Soumise à l'action de ce principe, si prompte à désorganiser les tissus animaux, la peau ne subit aucune altération. « Ce n'est pas du chagrin !» s'écria le chimiste. « Nous allons traiter ce mystérieux inconnu comme un minéral et lui donner sur le nez en le mettant dans un creuset infusible où j'ai précisément de la potasse rouge. » Jaffé sortit et revint bientôt. « Monsieur, » dit-il à Raphaël, « laissez-moi prendre un morceau de cette singulière substance. » Elle est si extraordinaire. Un morceau ? S'écria Raphaël. Pas seulement la valeur d'un cheveu. D'ailleurs, essayez, dit-il, d'un air tout à la fois triste et goguenard. Le savant cassa un rasoir en voulant entamer la peau. Il tenta de la briser par une forte décharge d'électricité, puis il la soumit à l'action de la pile voltaïque. Enfin, les foudres de sa science échouèrent sur le terrible talisman. Il était 7 heures du soir. Planchette, Jaffé et Raphaël, ne s'apercevant pas de la fuite du temps, attendaient le résultat d'une dernière expérience. Le chagrin sortit victorieux d'un épouvantable choc auquel il avait été soumis, grâce à une quantité raisonnable de chlorure d'azote. « Je suis perdu !» s'écria Raphaël. « Dieu est là !» « Je vais mourir. » Il laissa les deux savants stupéfaits. Gardons-nous bien de raconter cette aventure à l'Académie. Nos collègues s'y moqueraient de nous, dit Planchette au chimiste, après une longue pause pendant laquelle ils se regardèrent, sans oser se communiquer leurs pensées. Ils étaient comme des chrétiens sortant de leur tombe, sans trouver un Dieu dans le ciel. La science, impuissante. Les acides, eau claire. La potasse rouge, déshonorée. La pile voltaïque et la foudre de bilboquet. Une presse hydraulique, fendue comme une mouillette, ajouta Planchette. Je crois au diable, dit le baron Jaffé après un moment de silence. Et moi à Dieu, répondit Planchette. Tous deux étaient dans leur rôle. Pour un mécanicien, l'univers est une machine qui veut un ouvrier. Pour la chimie, cette œuvre d'un démon qui va décomposant tout, le monde est un gaz doué de mouvement. Nous ne pouvons pas nier le fait, reprit le chimiste. Bah, pour nous consoler, messieurs les doctrinaires ont créé ce nébuleux axiome, bête comme un fait. Ton axiome, répliqua le chimiste, me semble à moi fait comme une bête. Ils se prirent à rire et dînèrent en gens qui ne voyaient plus qu'un phénomène dans un miracle. En rentrant chez lui, Valentin était en proie à une rage froide. Il ne croyait plus à rien. Ses idées se brouillaient dans sa cervelle, tournoyaient et vacillaient comme celles de tout homme en présence d'un fait impossible. Il avait cru volontiers à quelques défauts secrets dans la machine de Spiegelter. L'impuissance de la science et du feu ne l'étonnait pas. Mais la souplesse de la peau, quand il la maniait,
mais sa dureté, lorsque les moyens de destruction mis à la disposition de l'homme étaient dirigés sur elle, l'épouvantait. Ce fait incontestable lui donnait le vertige. « Je suis fou !» se dit-il. « Quoique depuis ce matin je sois à jeun, je n'ai ni faim ni soif, et je sens dans ma poitrine un foyer qui me brûle. » Il remit la peau de chagrin dans le cadre où elle avait été naguère enfermée. Et après avoir décrit par une ligne d'encre rouge le contour actuel du talisman, il s'assit dans son fauteuil. « Déjà 8 heures, » s'écria-t-il. « Cette journée a passé comme un songe. » Il s'accouda sur le bras du fauteuil, s'appuya la tête dans sa main gauche et resta perdu dans une de ses méditations funèbres, dans ses pensées dévorantes dont les condamnés à mort emportent le secret. « Ah, Pauline !» s'écria-t-il. « Pauvre enfant, il y a des abîmes que l'amour ne saurait franchir, malgré la force de ses ailes. » En ce moment, il entendit très distinctement un soupir étouffé et reconnut par un des plus touchants privilèges de la passion le souffle de sa Pauline. « Oh !» se dit-il, « voilà mon arrêt. Si elle était là, je voudrais mourir dans ses bras. » Un éclat de rire bien franc, bien joyeux, lui fit tourner la tête vers son lit. Il vit à travers les rideaux diaphanes la figure de Pauline souriant comme un enfant heureux d'une malice qui réussit. Ses beaux cheveux formaient des milliers de boucles sur ses épaules. Elle était là, semblable à une rose du Bengale, sur un monceau de roses blanches. « J'ai séduit Jonatas, » dit-elle. « Ce lit ne m'appartient-il pas, à moi qui suis ta femme ? Ne me gronde pas, chérie, je ne voulais que dormir près de toi, te surprendre. Pardonne-moi cette folie. » Elle sauta hors du lit par un mouvement de chatte, se montra radieuse dans ses mousselines et s'assit sur les genoux de Raphaël. « De quel abîme parlais-tu donc, mon amour ? » dit-elle, en laissant voir sur son front une expression soucieuse. « De la mort. »« Tu me fais mal, » répondit-elle. « Il y a certaines idées auxquelles, nous autres pauvres femmes, nous ne pouvons nous arrêter. Elles nous tuent. Est-ce force d'amour ou manque de courage ? Je ne sais. »« La mort ne m'effraie pas, » reprit-elle en riant. « Mourir avec toi, demain matin, ensemble, dans un dernier baiser, ce serait un bonheur. Il me semble que j'aurais encore vécu plus de 100 ans. Qu'importe le nombre de jours, si dans une nuit, dans une heure, nous avons épuisé toute une vie de paix et d'amour. Tu as raison. Le ciel parle par ta jolie bouche. Donne que je la baise. Et mourons, dit Raphaël. Mourons donc, répondit-elle en riant. Vers les 9 heures du matin, le jour passait à travers les fentes des persiennes. Amoindri par la mousseline des rideaux, il permettait encore de voir les riches couleurs du tapis et les meubles soyeux de la chambre où reposaient les deux amants. Quelques dorures étincelaient. Un rayon de soleil venait mourir sur le molle édredon que les jeux de l'amour avaient jeté par terre. Suspendue à une grande psyché, la robe de Pauline se dessinait comme une vaporeuse apparition. Les souliers mignons avaient été laissés loin du lit. Un rossignol vint se poser sur l'appui de la fenêtre. Ses gazouillements répétés, le bruit de ses ailes soudainement déployées quand il s'envola, réveillèrent Raphaël. « Pour mourir, » dit-il, en achevant une pensée commencée dans son rêve. « Il faut que mon organisation, ce mécanisme de chair et d'os animé par ma volonté et qui fait de moi un individu homme, présente une lésion sensible. Les médecins doivent connaître les symptômes de la vitalité attaquée et pouvoir me dire si je suis en santé ou malade. » Il contempla sa femme endormie, qui lui tenait la tête, exprimant ainsi pendant le sommeil les tendres sollicitudes de l'amour. Gracieusement étendue comme un jeune enfant et le visage tourné vers lui, Pauline semblait le regarder encore, en lui tendant une jolie bouche entrouverte par un souffle égal et pur. Ses petites dents de porcelaine relevaient la rougeur de ses lèvres fraîches, sur lesquelles errait un sourire. L'incarnat de son teint était plus vif, et la blancheur en était pour ainsi dire plus blanche en ce moment qu'aux heures les plus amoureuses de la journée. Son gracieux abandon, si plein de confiance,
mêlait au charme de l'amour les adorables attraits de l'enfance endormie. Les femmes, même les plus naturelles, obéissent encore pendant le jour à certaines conventions sociales qui enchaînent les naïves expansions de leur âme. Mais le sommeil semble les rendre à la soudaineté de vie qui décore le premier âge. Pauline ne rougissait de rien, comme une de ces chères et célestes créatures chez qui la raison n'a encore jeté ni pensée dans les gestes, ni secret dans le regard. Son profil se détachait vivement sur la fine batiste des oreillers. De grosses ruches de dentelle mêlées à ses cheveux en désordre lui donnaient un petit air mutin. Mais elle s'était endormie dans le plaisir. Ses longs cils étaient appliqués sur sa joue comme pour garantir sa vue d'une lueur trop forte ou pour aider à ce recueillement de l'âme quand elle essaie de retenir une volupté parfaite, mais fugitive. Son oreille mignonne, blanche et rouge, encadrée par une touffe de cheveux et dessinée dans une coque de maline, eût rendu fou d'amour un artiste, un peintre, un vieillard, eût peut-être restitué la raison à quelque insensé. Voir sa maîtresse endormie, rieuse dans un songe, paisible sous votre protection, vous aimant même en rêve, au moment où la créature semble cesser d'être, et vous offrant encore une bouche muette qui, dans le sommeil, vous parle du dernier baiser. Voir une femme confiante, demi-nue, mais enveloppée dans son amour comme dans un manteau, et chaste au sein du désordre, admirer ses vêtements épars, un bas de soie rapidement quitté la veille pour vous plaire, une ceinture dénouée qui vous accuse une foi infinie, n'est-ce pas une joie sans nom? Cette ceinture est un poème entier. La femme qu'elle protégeait n'existe plus. Elle vous appartient. Elle est devenue vous. Désormais, la trahir, c'est se blesser soi-même. Raphaël attendri contempla cette chambre chargée d'amour, pleine de souvenirs où le jour prenait des teintes voluptueuses et revint à cette femme aux formes pures, jeune, aimante encore, dont surtout les sentiments étaient à lui, sans partage. Il désira vivre toujours. Quand son regard tomba sur Pauline, elle ouvrit aussitôt les yeux, comme si un rayon de soleil l'eût frappée. « Bonjour, ami, » dit-elle en souriant. « Es-tu beau, méchant ?» Ces deux têtes empreintes d'une grâce due à l'amour, à la jeunesse, au demi-jour et au silence, formait une de ces divines scènes dont la magie passagère n'appartient qu'au premier jour de la passion, comme la naïveté, la candeur sont les attributs de l'enfance. Hélas, ces joies printanières de l'amour, de même que les rires de notre jeune âge, doivent s'enfuir et ne plus vivre que dans notre souvenir, pour nous désespérer ou nous jeter quelques parfums consolateurs selon les caprices de nos méditations secrètes. « Pourquoi t'es-tu réveillée ?» dit Raphaël. « J'avais tant de plaisir à te voir endormie, j'en pleurais. » « Et moi aussi, » répondit-elle, « j'ai pleuré cette nuit en te contemplant dans ton repos, mais non pas de joie. Écoute, mon Raphaël, écoute-moi. Lorsque tu dors, ta respiration n'est pas franche. Il y a dans ta poitrine quelque chose qui résonne et qui me fait peur. Tu as pendant ton sommeil une petite toux sèche, absolument semblable à celle de mon père, qui meurt d'une phtisie. J'ai reconnu dans le bruit de tes poumons quelques-uns des effets bizarres de cette maladie. Puis tu avais la fièvre, j'en suis sûre, ta main était moite et brûlante. « Chérie, tu es jeune, » dit-elle en frissonnant. « Tu pourrais te guérir encore si par malheur... »« Mais non, » s'écria-t-elle joyeusement, « il n'y a pas de malheur. La maladie se gagne, » disent les médecins. De ses deux bras, elle enlaça Raphaël, saisit sa respiration par un de ses baisers dans lesquels l'âme arrive. « Je ne désire pas vivre vieille. » Elle. Mourons jeunes tous deux et allons dans le ciel, les mains pleines de fleurs. Ces projets-là se font toujours quand nous sommes en bonne santé, répondit Raphaël en plongeant ses mains dans la chevelure de Pauline. Mais il eut alors un horrible accès de toux, de ces toux graves et sonores qui semblent sortir d'un cercueil, qui font pâlir le front des malades et les laissent tremblants, tout en sueur, après avoir remué leurs nerfs, ébranlé leurs côtes, fatiguer leur moelle épinière et imprimer je ne sais quelle lourdeur à leurs veines. Raphaël, abattu, pâle, se coucha lentement,
affaissé comme un homme dont toute la force s'est dissipée dans un dernier effort. Pauline le regarda d'un œil fixe, agrandi par la peur, et resta immobile, blanche, silencieuse. « Ne faisons plus de folie, mon ange, » dit-elle, en voulant cacher à Raphaël les horribles pressentiments qui l'agitaient. Elle se voila la figure de ses mains, car elle apercevait le hideux squelette de la mort. La tête de Raphaël était devenue livide et creuse, comme un crâne arraché aux profondeurs d'un cimetière pour servir aux études de quelques savants. Pauline se souvenait de l'exclamation échappée la veille à Valentin et se dit à elle-même « Oui, il y a des abîmes que l'amour ne peut pas traverser, mais il doit s'y ensevelir. » Quelques jours après cette scène de désolation, Raphaël se trouva par une matinée du mois de mars assis dans un fauteuil, entouré de quatre médecins qu'il avait fait placer au jour devant la fenêtre de sa chambre, et tour à tour lui tâtait le pouls, le palpait, l'interrogeait avec une apparence d'intérêt. Le malade épiait leurs pensées en interprétant et leurs gestes et les moindres plis qui se formaient sur leur front. Cette consultation était sa dernière espérance. Ses juges suprêmes allaient lui prononcer un arrêt de vie ou de mort. Aussi, pour arracher à la science humaine son dernier mot, Valentin avait-il convoqué les oracles de la médecine moderne. Grâce à sa fortune et à son nom, les trois systèmes entre lesquels flottent les connaissances humaines étaient là devant lui. Trois de ses docteurs portaient avec eux toute la philosophie médicale, en représentant le combat que se livrent la spiritualité, l'analyse et je ne sais quel éclectisme railleur. Le quatrième médecin était Horace Bianchon, homme plein d'avenir et de science, le plus distingué peut-être des nouveaux médecins, sage et modeste député de la studieuse jeunesse qui s'apprête à recueillir l'héritage des trésors amassés depuis 50 ans par l'école de Paris et qui bâtira peut-être le monument pour lequel les siècles précédents ont apporté tant de matériaux divers. Ami du marquis et de Rastignac, il lui avait donné ses soins depuis quelques jours et l'aidait à répondre aux interrogations des trois professeurs auxquels il expliquait parfois, avec une sorte d'insistance, les diagnostics qui lui semblaient révéler une phtisie pulmonaire. « Vous avez sans doute fait beaucoup d'excès, mené une vie dissipée, vous vous êtes livré à de grands travaux d'intelligence, » dit à Raphaël, celui des trois célèbres docteurs dont la tête carrée, la figure large, l'énergique organisation paraissait annoncer un génie supérieur à celui de ses deux antagonistes. J'ai voulu me tuer par la débauche, après avoir travaillé pendant 3 ans à un vaste ouvrage dont vous vous occuperez peut-être un jour, lui répondit Raphaël. Le grand docteur hocha la tête en signe de contentement, et comme s'il se fût dit en lui-même, j'en étais sûr. Ce docteur était l'illustre Brissé, le chef des organistes, le successeur des Cabaniers et des Bichats, le médecin des esprits positifs et matérialistes, qui voit en l'homme un être fini, uniquement sujet aux lois de sa propre organisation, et dont l'état normal ou les anomalies délétères s'expliquent par des causes évidentes. À cette réponse, Brissé regarda silencieusement un homme de moyenne taille, dont le visage empourpré, l'œil ardent, semblait appartenir à quelque satyre antique, et qui, le dos appuyé sur le coin de l'embrasure, contemplait attentivement Raphaël sans mot dire. Homme d'exaltation et de croyance, le docteur Caméristus, chef des vitalistes, le balanche de la médecine, poétique défenseur des doctrines abstraites de Van Helmont, voyait dans la vie humaine un principe élevé, secret, un phénomène inexplicable qui se joue des bistouris, trompe la chirurgie, échappe aux médicaments de la pharmaceutique, aux X de l'algèbre, aux démonstrations de l'anatomie, et se rit de nos efforts. Une espèce de flamme intangible, invisible, soumise à quelques lois divines, et qui reste souvent au milieu d'un corps condamné par nos arrêts, comme elle déserte aussi les organisations les plus viables. Un sourire sardonique errait sur les lèvres du troisième. Le docteur maugredit, esprit distingué, mais pyrrhonien et moqueur, qui ne croyait qu'au scalpel, concédait à Brissé la mort d'un homme qui se portait à merveille, et reconnaissait avec Améristus qu'un homme pouvait vivre encore après sa mort. Il trouvait du bon dans toutes les théories, n'en adoptait aucune, prétendait que le meilleur système médical était de n'en point avoir et de s'en tenir aux faits.
Panurge de l'école, roi de l'observation, ce grand explorateur, ce grand railleur, l'homme des tentatives désespérées, examinait la peau de chagrin. « Je voudrais bien être témoin de la coïncidence qui existe entre vos désirs et son rétrécissement, » dit-il au marquis. « À quoi bon ? » s'écria Brissé. « À quoi bon ? » s'écria Caméristus. « Ah, vous êtes d'accord, » répondit Maugredi. « Cette contraction est toute simple, » ajouta Brissé. « Elle est surnaturelle, » dit Caméristus. « En effet, » répliqua Maugredi, en affectant un air grave et rendant à Raphaël sa peau de chagrin. Le racornissement du cuir est un fait inexplicable et cependant naturel, qui, depuis l'origine du monde, fait le désespoir de la médecine et des jolies femmes. À force d'examiner les trois docteurs, Valentin ne découvrit en eux aucune sympathie pour ces mots. Tous trois, silencieux à chaque réponse, le toisaient avec indifférence et le questionnaient sans le plaindre. La nonchalance perçait à travers leur politesse. Soit certitude, soit réflexion, leurs paroles étaient si rares, si indolentes, que par moments Raphaël les crut distraits. De temps à autre, Brissé seul répondait « Bon, bien !» à tous les symptômes désespérants dont l'existence était démontrée par Bianchon. Caméristus demeurait plongé dans une profonde rêverie. Maugredi ressemblait à un auteur comique, étudiant deux originaux pour les transporter fidèlement sur la scène. La figure d'Horace trahissait une peine profonde, un attendrissement plein de tendresse. Il était médecin depuis trop peu de temps pour être insensible devant la douleur et impassible près d'un lit funèbre. Il ne savait pas éteindre dans ses yeux les larmes amies qui empêchent un homme de voir clair et de saisir, comme un général d'armée, le moment propice à la victoire, sans écouter les cris des moribonds. Après être resté pendant une demi-heure environ à prendre en quelque sorte la mesure de la maladie et du malade, comme un tailleur prend la mesure d'un habit à un jeune homme qui lui commande ses vêtements de noces, ils dirent quelques lieux communs, parlèrent même des affaires publiques, puis ils voulurent passer dans le cabinet de Raphaël pour se communiquer leurs idées et rédiger la sentence. « Messieurs, leur dit Valentin, ne puis-je donc assister au débat ?» À ce mot, Brissé et Maugredi se récrièrent vivement, et malgré les instances de leur malade, ils se refusèrent à délibérer en sa présence. Raphaël se soumit à l'usage, en pensant qu'il pouvait se glisser dans un couloir, d'où il entendrait facilement les discussions médicales auxquelles les trois professeurs allaient se livrer. « Messieurs, dit Brissé en entrant, permettez-moi de vous donner promptement mon avis. Je ne veux ni vous l'imposer, ni le voir controversé. D'abord, il est net, précis, et résulte d'une similitude complète entre un de mes malades et le sujet que nous avons été appelés à examiner. Puis, je suis attendu à mon hospice. L'importance du fait qui réclame ma présence m'excusera de prendre le premier la parole. Le sujet qui nous occupe est également fatigué par des travaux intellectuels. Qu'a-t-il donc fait, Horace ? Dit-il, en s'adressant au jeune médecin. Une théorie de la volonté. Ah, diable ! Mais c'est un vaste sujet. Il est fatigué, dis-je, par des excès de pensée, par des écarts de régime, par l'emploi répété de stimulants trop énergiques. L'action violente du corps et du cerveau a donc vicié le jeu de tout l'organisme. Il est facile, messieurs, de reconnaître dans les symptômes de la face et du corps une irritation prodigieuse à l'estomac, la névrose du grand sympathique, la vive sensibilité de l'épigastre et le resserrement des hypochondres. Vous avez remarqué la grosseur et la saillie du foie. Enfin, M. Bianchon a constamment observé les digestions de son malade et nous a dit qu'elles étaient difficiles, laborieuses. À proprement parler, il n'existe plus d'estomac. L'homme a disparu. L'intellect est atrophié parce que l'homme ne digère plus. L'altération progressive de l'épigastre, centre de la vie, a vicié tout le système. De là partent des irradiations constantes et flagrantes. Le désordre a gagné le cerveau par le plexus nerveux, d'où l'irritation excessive de cet organe. Il y a monomanie. Le malade est sous le poids d'une idée fixe. Pour lui, cette peau de chagrin se rétrécit réellement. Peut-être a-t-elle toujours été comme nous l'avons vu. Mais qu'il se contracte ou non, ce chagrin est pour lui la mouche que certains grands vizirs avaient sur le nez. Mettez promptement des sangsues à l'épigastre. Calmez l'irritation de cet organe où l'homme tout entier réside. Tenez le malade au régime.
La monomanie cessera. Je n'en dirai pas davantage au docteur Bianchon. Il doit saisir l'ensemble et les détails du traitement. Peut-être y a-t-il complication de la maladie? Peut-être les voies respiratoires sont-elles également irritées? Mais je crois que le traitement de l'appareil intestinal, beaucoup plus important, plus nécessaire, plus urgent que ne l'est celui des poumons. L'étude tenace de matières abstraites et quelques passions violentes ont produit de graves perturbations dans ce mécanisme vital. Cependant, il est temps encore d'en redresser les ressorts. Rien n'y est trop fortement adultéré. Vous pouvez donc facilement sauver votre ami, dit-il à Bianchon. Notre savant collègue prend l'effet pour la cause, répondit Caméristus. Oui, les altérations si bien observées par lui existent chez le malade, mais l'estomac n'a pas graduellement établi des irradiations dans l'organisme et vers le cerveau, comme une fêlure étend autour d'elle des rayons dans une vitre. Il a fallu un coup pour trouer le vitrail. Ce coup, qui l'a porté? Le savons-nous? Avons-nous suffisamment observé le malade? Connaissons-nous tous les accidents de sa vie? Messieurs, le principe vital, l'archer de Van Helmont, est atteint en lui. La vitalité même est attaquée dans son essence. L'étincelle divine, l'intelligence transitoire qui sert comme de lien à la machine et qui produit la volonté, la science de la vie a cessé de régulariser les phénomènes journaliers du mécanisme et les fonctions de chaque organe. De là proviennent les désordres si bien appréciés par mon docte confrère. Le mouvement n'est pas venu de l'épigastre au cerveau, mais du cerveau vers l'épigastre. « Non, dit-il, en se frappant avec force la poitrine. Non, je ne suis pas un estomac fait homme. Non, tout n'est pas là. Je ne me sens pas le courage de dire que si j'ai un bon épigastre, le reste est de forme. Nous ne pouvons pas, reprit-il plus doucement, soumettre à une même cause physique et à un traitement uniforme les troubles graves qui surviennent chez les différents sujets, plus ou moins sérieusement atteints. Aucun homme ne se ressemble. Nous avons tous des organes particuliers, diversement affectés, diversement nourris, propres à remplir des missions différentes et à développer des thèmes nécessaires à l'accomplissement d'un ordre de choses qui nous est inconnu. La portion du grand tout, qui par une haute volonté vient opérer, entretenir en nous le phénomène de l'animation, se formule d'une manière distincte dans chaque homme et fait de lui un être en apparence fini, mais qui par un point coexiste à une cause infinie. Aussi, devons-nous étudier chaque sujet séparément, le pénétrer, reconnaître en quoi consiste sa vie, quelle en est la puissance. Depuis la mollesse d'une éponge mouillée jusqu'à la dureté d'une pierre ponce, il y a des nuances infinies. Voilà l'homme. Entre les organisations spongieuses des lymphatiques et la vigueur métallique des muscles de quelque homme destiné à une longue vie, que d'erreurs ne commettra pas le système unique, implacable, de la guérison par l'abattement, par la prostration des forces humaines que vous supposez toujours irritées. Ici donc, je voudrais un traitement tout moral, un examen approfondi de l'être intime. Allons chercher la cause du mal dans les entrailles de l'âme et non dans les entrailles du corps. Un médecin est un être inspiré, doué d'un génie particulier, à qui Dieu concède le pouvoir de lire dans la vitalité. Comme il donne aux prophètes des yeux pour contempler l'avenir, aux poètes la faculté d'évoquer la nature, aux musiciens celle d'arranger les sons dans un ordre harmonieux dont le type est en haut, peut-être. Toujours sa médecine absolutiste, monarchique et religieuse, dit Brissé en murmurant. Messieurs, reprit promptement Maugredi, en couvrant avec promptitude l'exclamation de Brissé, ne perdons pas de vue le malade. Voilà donc où est la science, s'écria tristement Raphaël. Ma guérison flotte entre un rosaire et un chapelet de sangsues, entre le bistouri de Depuytren et la prière du prince de Hohenlohe. Sur la ligne qui sépare le fait de la parole, la matière de l'esprit, Maugredi est là, doutant. Le oui et non humain me poursuit partout. Toujours le Carimari, Carimara de Rabelais. Je suis spirituellement malade, Carimari, ou matériellement malade, Carimara. Dois-je vivre? Il l'ignore. Au moins Planchette était-il plus franc en me disant « je ne sais pas ». En ce moment, Valentin entendit la voix du docteur Maugredi.
Le malade est monomane, et bien d'accord, s'écria-t-il. Mais il a 200 000 livres de rente. Ces monomanes-là sont fort rares, et nous leur devons au moins un avis. Quant à savoir si son épigastre a réagi sur le cerveau, ou le cerveau sur son épigastre, nous pourrons peut-être vérifier le fait quand il sera mort. Résumons-nous donc. Il est malade, le fait est incontestable. Il lui faut un traitement quelconque. Laissons les doctrines. Mettons-lui des sangsues pour calmer l'irritation intestinale et la névrose sur l'existence desquelles nous sommes d'accord. Puis, envoyons-le aux os. Nous agirons à la fois d'après les deux systèmes. S'il est pulmonique, nous ne pouvons guère le sauver. Ainsi, Raphaël quitta promptement le couloir et vint se remettre dans son fauteuil. Bientôt, les quatre médecins sortirent du cabinet. Horace porta la parole et lui dit « Ces messieurs ont unanimement reconnu la nécessité d'une application immédiate de sangsues à l'estomac et l'urgence d'un traitement à la fois physique et moral. D'abord, un régime diététique afin de calmer l'irritation de votre organisme. » Ici, Brisset fit un signe d'approbation. « Puis un régime hygiénique pour régir votre morale. » Ainsi, nous vous conseillons unanimement d'aller aux eaux d'Aix en Savoie ou à celles du Mont d'Or en Auvergne, si vous les préférez. L'air et les sites de la Savoie sont plus agréables que ceux du Cantal, mais vous suivrez votre goût. Là, le docteur Caméristus laissa échapper un geste d'assentiment. Ces messieurs, reprit Bianchon, ayant reconnu de légères altérations dans l'appareil respiratoire, sont tombés d'accord sur l'utilité de mes prescriptions antérieures. Ils pensent que votre guérison est facile et dépendra de l'emploi sagement alternatif de ces divers moyens et... Et voilà pourquoi votre fille est muette, dit Raphaël en souriant et en attirant Horace dans son cabinet pour lui remettre le prix de cette inutile consultation. Ils sont logiques, lui répondit le jeune médecin. Caméristus sent, Brisset examine, Maugredi doute. L'homme n'a-t-il pas une âme, un corps et une raison? L'une de ces trois causes premières agit en nous d'une manière plus ou moins forte, et il y aura toujours de l'homme dans la science humaine. Crois-moi, Raphaël, nous ne guérissons pas, nous aidons à guérir. Entre la médecine de Brisset et celle de Caméristus se trouve encore la médecine expectante. Mais pour pratiquer celle-ci avec succès, il faudrait connaître son malade depuis 10 ans. Il y a, au fond de la médecine, négation, comme dans toutes les sciences. Tâche donc de vivre sagement. Essaie d'un voyage en Savoie. Le mieux est et sera toujours de se confier à la nature. »